Je dois m'enfoncer au cœur du palais et m'éloigner de mon ennemi. Mon bras ! Que se passe-t-il ? Mais qu'est-ce que le vizir m'a fait ? La boucle était bouclée. Le prince avait ressuscité son plus grand ennemi. Pire encore, il m'avait fait tomber entre les mains de ce dernier, libérant du même coup un terrible fléau sur Babylone. Et comme si cela ne suffisait pas, le prince lui-même avait presque été transformé par les sables. Il avait évité la mort, mais ne s'en était pas tiré indemne. Réveille-toi, petit prince. Réveille-toi. Debout. Se trouvait derrière toi a disparu. Alors tu vas devoir trouver une autre issue par les échos. Vite. Voulez-vous que je reprenne à Paris ? C'est un excellent endroit pour reprendre notre histoire la prochaine fois. Qui est là ? Fais attention. Les planches sont glissantes. Continue de descendre. Oh, on dirait qu'il n'aime pas la lumière. Que suis-je devenu ? Un monstre de sable ?
Fais cela comme tu veux, prince. Mais tu as reçu le pouvoir de détruire tes ennemis. Alors fais-en bon usage. Quel avantage est cela? Tu m'affaiblis alors même que je combats. Alors tu l'es. Que leur énergie vitale renforce la tienne. Attire-les vers la lumière. Frappe pendant qu'ils sont aveugles. Pourquoi est-ce que cela m'arrive? Tu as été infecté par les sables du temps, comme tu as dû t'en rendre compte. Peut-être est-ce la dague, ou le temps que tu as passé au contact des sables. Au contact de l'impératrice. Bref, tu leur résistes, dans l'ensemble. Dans l'ensemble? Tu t'es transformé en quelque chose d'assez unique. Alors, je pense que le terme n'est pas très approprié. Essaie de voir les choses ainsi. Tu as reçu un don. Tu es plus fort, plus rapide. Tu l'es. Allons, allons. Voilà qui explique la transformation. Mais vous, qui êtes-vous? Tu n'as toujours pas compris? Je suis ton potentiel inexploré, tes rêves enfouis. Je fais partie de toi. Vous êtes en moi? C'est fini. L'eau semble chasser la corruption. Pourquoi me l'aviez-vous caché? Non, alors qu'on s'amusait tant. Yeah.
jamais vous devez partir, faudra-t-il que je reprenne mon histoire.